Salut bande de youtubeurs, c'est Noah, c'est pour une vidéo d'un origami, un petit chompeur désigné par Jeremy Schaeffer, un youtubeur américain. Donc voilà, il est comme ça. J'ai faim. Donc voilà, il est bien. Et je vais vous montrer comment faire. Vous aurez besoin d'une feuille de deux couleurs différentes. Vous pouvez choisir, mais moi je préfère bleu et blanc. Ça peut être rouge ou blanc, ou comme vous voulez. Commencez par le plier dans la longueur. Enfin, dans les longueurs. Voilà. Ensuite, vous allez plier les coins jusqu'au point d'interception des deux pliages. Et puis vous allez faire tous les coins. Donc voilà, ça vous donne ceci. Donc voilà. Ensuite, vous allez enlever un coin. Vous allez le plier en deux. Ici. Le replier ici. Et le tout, vous verrez, vous aurez une petite ligne, et ben, donc vous pliez ici. Donc voilà, ça vous donne ça. Ensuite, vous remettez. Vous allez faire un pli accordéon, comme ça, et là, ça fera les dents. Ça lui fera les dents, celui-là. Donc voilà. Ça vous donne une mâchoire. Vous allez ensuite faire pareil à l'opposé. J'ai bien dit à l'opposé. Ne vous trompez pas parce que ça risque d'être la galère. Donc voilà, on me voit ici. Coucou. Donc on recommence du coup. Ça vous donne ceci. Donc vous refermez encore. Et puis vous allez encore faire un pli accordéon. Que ça vous donne ceci. Donc ensuite, vous allez le plier. Vous allez le retourner déjà. Et vous allez plier en deux. Enfin, il y a déjà une trace. Et puis vous allez, si on la voit pas, vous pouvez replier en deux comme ça. Donc voilà. Et on va plier sur la moitié comme ça. Bien sûr, ça faut pas les plier. Hein. Voilà. Pareil de l'autre côté. Voilà. Vous allez le plier en deux comme ça. Voilà. Voilà mon truc. J'ai colorié, là on voit là, c'est du bleu, ça se voit. Donc voilà, vous l'avez plié en deux. Ensuite, vous allez plier les bouts ici comme ça. Ensuite, vous allez faire pareil ici. Et pareil de l'autre côté. Oula, attendez. Deux secondes. Un. Deux, voilà. Donc, on recommence ici. Hop. Vous allez on va aller le déplier comme ça. Et on va aller tout lever comme ça.
comme ça. Comme ça, et vous allez tout déplier. Enfin, pas déplier, mais... Donc là, ça vous donnera ça. Vous allez faire pareil ici. Voilà. Donc, ça vous donnera ceci. Vous allez le refermer un peu et vous allez les bouts, vous allez les enlever comme ça. Ça vous donnera un petit truc comme ça qui marche pas. Et vous allez l'ouvrir. Ensuite, c'est très précis ici. Parce que, attendez, je vais prendre un crayon pour mieux vous montrer. Crayon. Crayon, voilà. Donc là, je vais vous montrer. C'est... Voilà, on a des traces ici où il y a les traits bleus. Donc là, il faut les longer, les continuer. C'est pas très précis ce que je fais, mais il faut quand même plier, même si vous coloriez pas, vous pouvez plier. Donc vous allez plier ici. Et ici. Ça vous donnera un pliage ici. Ensuite, je vais refaire certains traits. J'aime les petits traits. On va aller plier. Vous n'êtes pas obligé de les faire les traits, mais vous pouvez. Vous voyez le petit losange que j'ai fait là? Il faut plier. Comme ça. Voilà. Vous allez replier partout en fait. Voilà. Et le dernier. Voilà. Donc c'est bon, vous avez plié. Ensuite, vous allez essayer de pouvoir le faire comme en 3D, le faire un peu ressortir comme ça. Donc là, quand il est un peu sorti, attendez, on va pouvoir plier là et là. Donc là, voilà. Et vous allez pouvoir réussir à faire ça. Donc là, normalement, ça doit être en 3D. Si cela c'est parfait. Et voilà. Pour l'instant, je crois que c'est fini, ouais. Attendez. Voilà. Voilà. Et ça vous donne un petit chompeur. Là, vu qu'on voit les traces, je vais prendre l'autre, c'est les mieux. Voilà.